C'est parti pour notre préparation. Il va falloir de l'eau minérale, deux huiles végétales, soit l'huile de moutarde ou l'huile de ricin, quelle que soit l'huile que vous avez. Il va vous falloir un pot ou alors un flacon pour transférer notre préparation. Ensuite, d'une éprouvette doseuse, elle va me servir pour mesurer ma quantité d'eau. Il va falloir bien entendu le conservateur Coastguard, un actif cosmétique. J'utilise la protéine de riz et puis les émulsifiants BTMS. Alors, c'est parti pour notre préparation de crème capillaire de nuit sans rinçage pour des cheveux zen. Je tiens à vous rappeler que le matériel, il faut toujours et toujours le désinfecter avant toute utilisation. 22 ml d'huile de moutarde, c'est l'équivalent de 4 cuillères à café et demi à peu près. 10 ml d'huile de ricin, c'est 2 cuillères à café. Et puis 20 ml de l'émulsifiant BTMS, c'est l'équivalent de 4 cuillères à café, soit 5 ml de cuillère à café. Ensuite, je vais mettre 141 ml d'eau minérale dans un autre récipient. Une fois que mes deux préparations sont prêtes, c'est-à-dire la phase aqueuse et la phase huileuse, je vais les mettre à chauffer au bain-marie à 70 degrés maximum. Ça prend un peu moins de 10 minutes pour que le BTMS fonde. Donc là, vous l'apercevez qu'il a pratiquement tout fondu. Je vais donc tout transvaser maintenant dans un autre récipient pour pouvoir mélanger plus facilement. Je vais progressivement ajouter la phase aqueuse en mélangeant énergiquement avec mon fouet. Je crois que je vais me servir aussi de la cuillère à café pour mélanger parce que c'est beaucoup plus pratique. Je vais mettre mon bol dans de l'eau froide pour accélérer un peu le processus de refroidissement et de l'émulsion pour que ça prenne un peu plus vite. À l'aide de mon kit, je vais prélever 9 ml des protéines de riz. Je vais d'abord enlever le bouchon de sécurité pour faciliter le prélèvement. Je continue à bien mélanger ma préparation. Après, je vais rajouter 4 ml de ma fragrance cosmétique Mourea qui sent tellement bon. Et là, ça commence à ressembler à une belle mousse à la vanille. Non, plutôt à une belle crème de nuit capillaire sans rinçage. Maintenant que ma crème de nuit a pris forme, je vais venir ajouter 40 gouttes de conservateur Coastguard. Je vais donc pouvoir la conserver au moins 3 mois. En plus, elle ne coûte pas du tout cher. Tout calcul fait, elle reviendra à 2,80 €. Donc, pour toutes celles qui ne veulent pas investir sur une crème de nuit, ceci est une très bonne alternative. J'aurais pu m'arrêter là, mais bon, comme je suis une fille, je vais amener un peu de couleur à ma préparation. Ma crème de nuit capillaire sans rinçage, elle apportera donc nutrition aux cheveux, douceur et réparation pendant le sommeil sans toutefois alourdir les cheveux ni même tacher l'oreiller. Voilà, il faut appliquer juste une petite noisette de crème le soir avant de se coucher sur les longueurs et les pointes uniquement.
Et ce qui est le plus rassurant, c'est qu'elle ne laisse aucun film gras. Alors, dites-moi vous-même, elle ne donne pas envie ma crème? Donc voilà la recette que je venais partager avec vous. Si jamais vous avez aimé, n'oubliez donc pas de la liker, de la partager. Je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve pour une autre vidéo. Bye!